arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Il y a plus petit pas, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo super défi classique. Sortie défi classique au 2.6 avant que la vidéo commence, c'est très très important. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner. Vraiment ça soutient de ouf. Et voilà, ça fait plaisir et ça fait plaisir. La tête clash pour rater aucune de mes vidéos où je présente quasiment que des tutos. Et puis voilà, donc c'est parti, on va faire ce petit défi classique. Allez, c'est parti, on a un petit cochon. Nice, j'ai raté mon cochon, j'ai pas mis là, je me suis une caisse plus. Ok, une horde, bon. Voyons voir ce qu'il met. Je pense qu'on va défendre juste avec le petit lingot de glace. Il est là, hop. J'aurais plus boule de feu, mais bon. Là, c'est vraiment la meilleure de toutes les solutions, boule de feu. Voilà, je pense que c'est mode défense ça. On va protéger le mousquetaire évidemment pour être bien chien et on va partir en cochon opposé. Ok, je me disais, je sais pas pourquoi je sentais le MK, c'est bon. Allez, qui coupe là. Ok, on a qu'à la tour du roi, ça c'est parfait. Attendre que le D2 il connecte pour mettre un petit esprit de glace. Et un golem de glace évidemment pour pas prendre trop cher. La petite chebu assez lent pour vraiment prendre zéro coup de squelette. Et puis voilà la défense qui va être très clean. Hop. On avait un gros avantage d'XT, on a réussi à récupérer, donc ça c'est plutôt cool. Ok, je pense qu'on va remettre cochon. Alors il y a la défense quoi, il y a une horde. Je vais pré-shot boule de feu. Il va sûrement remettre sa horde. Voilà, me douter. C'est assez prévisible. Hop, parfait, on prend la tour, ça c'est clean. Bon, ouais, alors je savais ce qu'il avait, donc je savais qu'il y a une. Ok, tout à l'heure, il a défendu avec la horde. Entre temps, il a largement le temps de recycler, donc on pré-shot. Dans toute logique des choses. Non, ça focus pas le bon truc. On va prendre un coup, tant pis. Ça va pas focus le bon truc, ça focus la sorcière et pas. Pas le balou. Pas grave. Bon, allez, il va sûrement mettre son MK, donc on met rien, sans de l'accompagner, il va sûrement mettre son MK, voilà. Encore une fois, c'était prévisible. Là, je pense qu'il va tenter une horde derrière, non, peut-être pas. Là, on va la boule de feu, cette horde. Pas m'emmerder. Donc, regardez, ce qu'on fait, c'est que là, on fait tout tourner. Pour éviter que la mousquetaire elle se fasse toucher, elle puisse défendre. Oula. Ouais. Ok. Non, saute pas. Alors, ouais, bon, on va boule de feu quand même. On va aller à la bûche aussi, comme ça on fait plus de squelettes. On peut mettre un petit gomme de glace, plus remettre un cochon. On sait qu'il va mettre sa horde. Donc là, on peut aller pré-shot. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je suis dans sa tête, et à chaque fois ça marche. Hein. Bon, là j'ai mis la boule de feu, la pire boule de feu de France, mais on déconne, c'était bon tout le game. Bon, après, on était pas sur un bon joueur. On va pas se mytho, frérot. MK, ballon cimetière. Ouais, il manquait plus qu'il rajoute un PK avec et je pense qu'on a le combo avec une petite armée squelette là. D'ailleurs les gars, si vous n'avez pas de clan, n'hésitez pas à rejoindre mon clan, ça fait plaisir et puis voilà. Allez, c'est parti, deuxième game. Autre KMT Kakulisnei, stylé. Ok, petit cochon. Tranquille. Ok, très bien. Oula, non, c'est de base. Là, je vais quand même la mettre pour tuer la table. Hop. Ah yes, double fût. Parfait vu. On a gros counter, hein, je vous préviens, je ne perds pas. Moi qui joue double fût assez souvent, je me fais enculer à chaque fois. Je suis perdu, je suis la reine des solops, c'est bon. Ok, bon lui il a un chevalier d'art par contre, moi je joue la son de Valkyrie, donc. Et là il va sûrement mettre son dash. Visible. Et là, t'as sûrement avoir l'armée squelette, donc on peut pré-shot. Et les autres ont une table en plus, ça me va. La petite table en plus, elle est... je la prends, avec plaisir. Bah là, je pense qu'on va faire la même défense, hein, si je prends double fût. Il m'a pris pour un bleu, là. Ah, nickel. Il a un petit peu pris pour un bleu, là, hein, le frérot.
Bon, bah c'est que j'ai dessiné ici. Avec l'esprit. Je sais pas pourquoi. Je donne juste que la princesse elle passe, donc on va qu'elle passe le tour pour que puisse la chebu. Du coup on va défaut de boule de feu, le but c'est de pas prendre de dégâts, donc là on va mettre le petit canon. Parfaito, nickel. Là, on va reboule de feu. Hop, on se fait pas chier. On se prend pas la tête, il passera pas le frérot, je vous le dis. Sa seule chance de passer c'est la princesse au pont. Et encore c'est pas la meilleure de toutes les techniques hein. Bon il a mis 19 milliards d'élixir. Bon. Ok là il va mettre ça là, on met ça là. Ok là il met ça là. Bon, il a le petit esprit, il va prendre quelques dommages mais c'est pas rien de dramatique, rien de dramatique. On va mettre le ralouf. On va mettre la pute pré-shot. Ah moi le cochon qui manque, ok, il est obligé de parfaiter. Ok, la mauvaise arme de sa part parce que j'ai le gun de glace. On prend un peu en fait. Et on va boule de feu, on va pas faire chier. Allez, hop, hop. Dans tous les cas. Ah ça c'est pas prévu ça. Programme. Non. Chaque chose à son temps. Ah c'est pas bon. Ok, là il commence un peu à me déborder, bon, il va falloir se concentrer, normalement je devrais pas prendre de dégâts, normalement, mais je vais pas perdre, promis je vais pas perdre. En fait, en plus il joue super mal, hein. Et si je mets des boules de feu comme ça, forcément je vais pas aller très loin. La passe mytho, boules de feu, ouais je fais une bûche, hein. Prends trop cher sinon. On va devoir défendre sans la bûche, hein, écoute, la vie, hein. Ok parfait, c'est touché mon scooter. Ça touche le. Je suis compris en disant ça. Là on peut pré-shot bûche, parce que je sais qu'il va sûrement mettre sa table, voilà. Là on peut pré-shot bûche. Le double pré-shot qui. Avec sa paye avec un petit coup, ça c'est. On va mettre le gun de glace très haut. Qui dash nulle part, on va mettre la mousquetaire assez basse. Là on défend sans bûche, c'est pareil, c'est simple. Okay. Bah là écoutez on va repêcher la boule de feu hein. On va mettre une petite bûche et voilà on va aller prendre cette win assez facilement, on a eu un petit moment de panique mais rien de très grave. Ouais voilà rien de très très grave. Lui déjà il était pas ouf hein, il était pas ouf mais il était déjà meilleur que l'autre. L'autre était vraiment claqué sa mère. Il a un miroir aussi quoi. Ok bon c'est parti contre Steve. Ouais, good luck mon petit frérot, ma petite compote. Allez, que la tisse est tranquille. Ok, petit Lemgo. Ok, on a la boule de feu s'il met, je sais pas, une horde ou... Ok, un mortier, très bien. Oula, mortier bait. Oula, oula, oula. Ok, ça y est. Là, ça va être compliqué cette game. Il y a moyen que ça, je me fasse poutrer. On va essayer. Je vais faire mon mieux. On va essayer. Hop. Ok, il y a une reine en plus. Ça, c'est chiant. Ok, on a raté. J'ai dit, il a raté 5 épaules, mais pas du tout. Ouais, voilà, ma bûche, hein, écoutez. Le problème c'est que là je fais pas cochon parce qu'il a son mortier. Donc on va attendre un petit peu de cochon histoire que je puisse défendre derrière. On va attendre 7, 8, ouais 7 c'est bien, 7 je pense. 4, si un mortier panique. Oh ok, il joue bien. Déjà, il joue bien. Ouais merde. C'est pas exactement ce que je vais faire le gun de glace là. Pas ouf. La lumière derrière, ouais. Bon. Là, il faudrait bien jouer là. Il y a une double feu, non? Je sais pas. On va attendre un petit peu, on va mettre ça, on met nos scooters assez basse comme dans tous les cas. Oui. Ah oui, d'accord. On est à ce niveau-là là. Oh le con. Je pensais qu'il est à sa capa, elle allait passer.
On avait la Street Blast plus les têtes, t'inquiète. Ah, j'ai failli me laisser gratter, ça c'est cool. Le canon après shot. Là, on peut mettre un pré-shot boule de feu, je pense. Ah, nickel. Voilà, un bon pré-shot boule de feu. Malheureusement, ça peut être sympa, mais. Pas mal. Puisque là, on a déjà recyclé. L'esprit de là, ça fait une grosse radio, puisqu'il a forcément ses bases pour défendre là. Je pense qu'il a que ses bases, donc il va avoir boule de feu, bûche, mais il va prendre comme un coup. Deux. Un coup. Bon, déjà, on prend un énorme avantage sur ça, c'est pas trop mal. On va éviter les balles de boule de feu. J'ai bien pré-shot, ça c'est cool. Ok, j'ai boule de feu bûche, chaque fois que je veux la reine, j'ai la boule de feu bûche. Là, si elle prend un dégât, bah elle meurt. N'importe quel dégât, elle meurt. Ça, c'est avantageux. Je vais la protéger, ma mousquetaire, si je peux. Non, j'en mets une haute. Bon, j'en mets une haute, alors. Hop. On a la chebu ici, s'il décide de protéger. Ok, il décide de protéger, très bien. Pourquoi pas. Ok, bon, ça, c'est chiant. Bah, déjà un mortier, ça, c'est vraiment ouf. Comme ça. Il a plutôt bien joué ici, mais là il a plus de mortier par contre. Là on va évidemment aller bûche. On va pré-shot garde. Un petit coup. Nice. Le petit coup qui fait plaisir. Un petit coup qui carry. Là on va avoir boule de feu, écoutez. Hein. On va mettre ça comme ça, regardez. Oh j'ai une idée. Comme ça, là. Oh la mauvaise. Ok, là on a une bonne bûche en plus. Ça, ça a tué la reine en plus. On a relâché mousquetaire. Oh, j'ai tenté un pré-shot mortier en même temps. Bah, nickel, j'ai eu. Okay. On va faire tanker ça, comme ça au moins. Bah, nickel. On doutait. Là, on va être un pré-shot esprit. Dommage. On a le canon, c'est pas grave. Elle est serrée la game, hein. Elle est très très serrée la game. Je vais à bout de feu bûche encore une fois. Oh merde. Oh oh. Là, on va avoir un petit suicide là. Ok, là, une bonne boule de feu par contre. Très bonne boule de feu de ma part. Oh oh. Non. Aïe. Ouais, c'est GG. Malheureusement, Morty Bait compliqué. Hein. Il a un Morty, il a tout pour me défoncer. Il a un match-up. Je pense que la dernière fois, c'est 70-30 pour lui. Donc, bon, ça reste acceptable. Là, que je vais le faire vraiment très très acceptable. Regarde son profil parce qu'il était plutôt pas mal. Pas dégueu. Il était pas dégueu. Il était pas incroyable. Il était pas dégueu. Après, je suis loin d'être un joueur 2.6, donc c'est pour ça que j'essaie de l'améliorer. Faire des petits décès de temps en temps. Et puis voilà, allez, on split les squelettes, on met la bûche. Ok, petit esprit de glace. Pour l'instant, il va pas, hein, il va pas jouer. On va tenter un petit cochon. Ok, si l'esprit connaît, je boule de feu. Là. Oh, vas-y. Ok, j'ai plus besoin de boule de feu. Je pense que j'ai les canons, je vais assumer les dégâts, c'est pas grave. Le petit canon va assumer les dégâts, c'est pas très grave. J'ai un coup, ça va. Je vais mettre le petit esprit là. On va faire tourner ça là. Hop, et là on peut mettre un cochon. Là il a forcé. Moi j'ai fait une belle défense. Ok, boule de feu. Ok, voleuse. On va mettre les squelettes ici pour tanker. Un dernier coup, je fais bûche. Yes. Parfait, 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 parfait. On est très très bien dans la gueule. On est très 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 bien dans la gueule. J'ai juste à pas failli ma défense. Juste à pas failli ma défense. On peut en mousquetaire parce qu'on sait qu'il a plus de boule de feu. Ok, il bélier. Bon, là, on va aller jusqu'à non, on va pas s'emmerder. Ok, on va faire tourner ça comme ça, on va mettre le cochon quand même. Hop. Ok, il décide de PK, très bien. Ok. Bon bah, je pense que je vais essayer de connecter le fantôme. Okay. On va mettre la bûche en plus, comme ça, regardez. Hop, on prend qu'un coup. Normalement, on prend un coup de Wiz aussi. Ok, ouais, il a tenté de prêcher de cochon, c'était très très bien joué de sa part. Hein. Et là, on a le canon.
Parfait. Et là, regardez, on fait comme ça. Comme ça. Le petit cochon. Parfait. Là, on met le petit gel. Comme ça, on met un coup. On met pas de coup. Bien joué de sa part. Le belly whiz de sa part. Je vais aller boule de feu bûche. Je peux pas m'emmerder avec ça. Là, on a JDC. Ok. Ça part bien la défense. Là, on est bien. Là, on est vraiment bien dans la game. Là, on va mettre une bûche pour tuer l'archer. Parce que l'archer est chiant. On va mettre vite ça pour pas que. Ok, le tentant après shot, c'est très bien joué de sa part. N'est pas suffisant. Et là, je sais qu'il a plus beaucoup d'élex. Du coup, c'est normalement les squelettes plus l'esprit de glace. Même si PK, on met un coup en tous les cas. L'esprit qui connecte, ça c'est cool. Là, les gars, je vous dis, je fais cette défense et j'ai win. Et bon, surtout s'il me donne ça, je prends. Ok, là, il nous reste. Normalement, il nous reste une boule de feu, je crois. Ouais, une boule de. Non, c'est une boule de feu, une autre, c'est ça. Ok. Voilà, c'est qu'on a win. Il a rage quitte la game. Et GG à nous. Il a pas du tout rage quitte la game, mais GG à nous quand même. Hop, allez, on fait une petite dernière game, les gars, histoire de vous faire le petit 8 là. Ouais, sur profil, bon, on regardera après, c'est pas grave. Allez, c'est parti, dernière game contre Tanou. Ok, petit Kralouf. Hop, les gars, c'est très important, regardez bien mes placements, tout ça. Oh, wesh, frère, calme-toi. Oh, tout cet arôme, non. Wesh, guette de glace, bûche et garde. À l'aide. Et je vais mettre. Oh, ouais, non, c'était chiant ça. Pas de coups, s'il te plaît, frère. Ouh, j'ai chaud. Bah, heureusement, j'ai appris les placements hier. Hein. Il y a un placement, en gros, pour éviter le sisme avec le canon. Ouais, c'est le moment de l'utiliser. Hein. Bon, il faut l'esprit de glace, le gun de glace ou les squelettes. Ou une mousquetaire. En fait, il faut une troupe, quoi. Le canon, tu le mets là. Je peux le faire derrière avec un esprit de glace. Il vaut toujours 5. Il faudra toujours 5. Là, un peu plus par contre. Ah, une reine. Ah, ça, c'est chiant de ouf. Du coup, est-ce qu'il couche avec? Mais est-ce qu'il est un peu panique là? Je pensais que la capa allait durer plus longtemps. Bon, il a des gardes, donc je pense que je suppose qu'il va mettre des gardes. Oh là, voilà, c'est là. Ok, mini PK plus esprit, ouais, on n'a pas de coups malheureusement. On va aller dévier ça. Hop. Je pense que j'ai quand même un mousquetaire. Oh, ça tue. Et ça se re. Oh bah je suis un coup, j'ai pas le choix. Hein. Je vais dire pas deux par contre. Je mets de l'esprit. Ah nice. Oh la chatte qu'il a par contre. Voilà, oh, mais frère, à chaque fois il met toute sa daronne, c'est trop. Faut bien que j'attende les mini PK. Ok, là on a l'esprit pour protéger un mousquetaire, donc ça va être plus simple. Ouais, des cheveux, mais c'est si ils ont le vent, donc ça va. Petit esprit ici. Oh. Oh, let's go. Ok, là on a une bonne bûche. On prend 0 coup de reine. Oh, je me suis mis tellement bien avec cette interaction. Ah, ce qui est chiant, c'est qu'il fresh shot en fait. C'est qu'il peut le fresh shot parce qu'il sait ce que je vais faire. Parfait ça. Là, une bonne boule de feu. Je pense que si j'avais la mettre à temps. Oh, dommage, pas si. Ah, peut-être ça peut être une IPK. Incroyable ça. Mais ça aura l'ouf. Bah, c'est ce placement que je parlais. Mais c'est pas ce placement, c'est un placement, c'était une case à côté. Mais là, il a raté ceci. Oh, la bonne boule de feu là que j'ai. Bah, la bonne boule de feu. Wow, j'ai tout raté. Ah, la sauce suprême là. J'essaie de body block un peu.
Bon, je prends qu'un coup, ça va. Un coup, c'est raisonnable. Le problème, c'est que je peux pas passer, il a rien de plus mini PK, c'est insupportable. Ok, je vais le pré-shot, ici. Et je mets un coup, ça c'est pas mal. Excusez-moi les gars, je suis très très concentré, je ne veux absolument pas perdre la game. Permet son cochon, c'est sûr. C'est sûr, merde. J'ai panique, c'est vrai, j'ai panique. Il est vrai que j'ai panique. Le bâtard. Moi, je lose la game, hein. Non, pas comme ça, frère, pas comme ça. J'ai tellement paniqué à la fin. Ouais, ce deck était insupportable, hein. Bon, bah, du coup, on s'en fait une petite dernière, là. J'aime quand même faire le 8. Ouais, bon, après, j'avais un mauvais match-up de base, mais vas-y, ça me fout trop le mort. J'aurais tellement dû la win, là. Bon, bah, oui, non, défaite. J'espère que je vais faire une win, comme ça, je fais le 12. Après, je pourrais vous présenter un deck où je suis quasiment à peu près sûr de faire le 12 avec. Ok, petit esprit. Bon, j'ai vraiment les mains les plus horribles possibles, hein, vraiment. Ah non, pas encore du mortier. Lâchez-moi votre mortier. Bon, je vais assumer le coup, j'ai 20k d'embûches. Tant pis, rien de très grave. Ok, bon. D'ailleurs, demain ou après-demain, je sais pas trop, ça va dépendre. Nouvelle série qui va sortir sur la chaîne. Il va remplacer le Road to Top 1000. Ok. Et là, il va me casser les couilles. Ah, c'est le gun de glace qui arrive jamais. Oh, le gun de glace là. Hop. J'ai vraiment cru m'avoir avec ça là. Avec le canon en plus parce que je sais qu'il va forcer comme un gros gitan. Voilà, regardez. Oh, le joueur mortier. Aïe, c'est terrible. Bon, là il a plus de mortier par contre. Ah ouais. C'est mon cochon. Oh là là, les streaks glaces là. On a un coup. Ok, bon, ça me va. On a pris deux coups, ça me va. Une petite erreur de sa part. Il a mis 6 pour 5. C'est clair. Là, c'est vrai qu'ils font juste avec des squelettes, ça serait comment des 6 pour 6. Bon, bah, apparemment, non. Tu sais, on a notre. Est-ce que j'ai ma boule de feu là? Eh, frère, je mets des bûches et boules de feu. Oh. C'est terrible ça. Ouais, c'est ma mortier là. Et bah, là, la sauce. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre avec le Ralouf. J'ai pas trop le choix, j'ai pas vomito. J'ai un peu fait de la merde. Oh là là, oh la défense. La défense malgré une bûche et une boule de feu ratée, je tiens à préciser. On est sur un petit palmarès quand même. Oh. Bah le karma. Bah à l'aide. Ah mais frère, focus pas mineur. Putain. Bah génial. J'ai perdu. GG à tous. Il dit la défense insane et le mec il a respam, je rate mon esprit et bah je fais ensuite. Hein. C'est n'importe quoi la reine, je suis désolé. Il a quand même tapé là. Et frère, arrête de spam tes mortiers, il s'agit de doser. Bah, je me suis enculé par 3 decks mortiers, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est non, je me fais détruire par 3 decks mortiers. Ah non, un deck cochon et 2 decks mortiers. Ou le mec, il a un mortier avant, je sais plus. Ah, du tout cas, les mortiers, ça casse les couilles. Bah, super. Pire vidéo de ma chaîne. Mortier, cochon, mortier, ouais, c'est ça. Putain de deck, j'en ai marre. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Bon, gros.
Grosse déception, mais du coup, c'est demain que la nouvelle série sort. Et puis voilà, c'était vrai coup. Ciao.